Vos prédicateurs ont besoin d'être encouragés. Vos pasteurs, les personnes qui vous servent tout le temps. Une des façons par lesquelles vous pouvez les encourager, c'est en rendant leur vie un peu plus facile. Amen. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. L'excellence est en réalité la progéniture de l'intégrité. Une personne intègre fera les choses avec excellence. Au cas où vous n'étiez pas avec nous dans les réunions précédentes, vous voyez ces portes ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 1? La porte de l'indolence. Une vie en ruine. Pas d'argent. Et tout ce que ces personnes possèdent se désintègre. Ils sont malheureux et n'arrivent à rien. Qu'est-ce qui se passe si on choisit la vie médiocre, là où vraisemblablement la plupart des gens sont? Il y aura toujours des personnes indolentes, des personnes excellentes, mais la plus grande majorité des gens sont médiocres, ils sont moyens. Toujours à mi-chemin entre le succès et l'échec. Sur la route large, entraînés par le courant avec tous les autres, faisant ce que les autres font. Nous n'avons pas un Dieu moyen et il ne nous a pas appelés à être moyens. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a appelés à l'excellence et à la gloire. Si vous vivez une vie médiocre, vous allez être frustré et non accompli, qu'il s'en faut toujours d'un peu, pour arriver au mieux que Dieu a pour vous. De grâce, ayez cette révélation que ces portes représentent des choix. Et chaque choix produit un résultat. Beaucoup d'entre vous vivent les conséquences de choix pris. Et vous allez ou bien aimer ces résultats ou pas. Eh bien, j'étais là. Et j'étais là. Je n'étais pas très indolente. J'étais probablement plus ici qu'autre part. J'avais plus tendance à être adonnée au travail. Puis, il y eut un temps dans ma vie, après que Dieu m'ait appelée dans le ministère, il a commencé à me parler concernant l'excellence et l'intégrité. Je ne savais pas ce que c'était. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est parce qu'ils sont tellement habitués à faire ce que tout le monde fait que parfois ils n'arrivent même pas à comprendre cela. Pourquoi devrais-je faire ça? Je n'ai pas causé le problème. Pourquoi devrais-je faire ça? Tout le monde le fait. Pourquoi devrais-je le faire? Car nous sommes supposés être des personnes qui choisissent de faire ce que Jésus aurait fait et non pas ce que les autres auraient fait. Il est important d'apprendre cela. Il est important d'apprendre ce que nous avons partagé ensemble. Et c'est que nous ne laissons rien prendre la primauté sur Dieu. Nous ne lui cachons rien. Il est le Dieu omniscient qui est partout, tout le temps et qui voit tout ce qu'on fait. Tout ce qui est fait dans le secret va être révélé, et cela ouvertement. J'ai bien dit des choses auparavant, ça n'a pas d'importance. Nous devons entendre les mêmes choses pour les assimiler. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous entendons la vérité, plus de temps on met à étudier et à méditer sur cette vérité, et plus de connaissances et de vertus nous recevons. On ne les reçoit pas en les entendant une fois. La Bible dit de méditer dessus. Ça veut dire les tourner et les retourner dans notre pensée. Si vous m'entendez dire les mêmes choses et vous voyez ces portes qui sont là pour 5 sessions consécutives, et vous continuez à me voir faire la même chose, il serait probable que vous allez vous en rappeler. J'ai finalement, par la grâce et la miséricorde de Dieu, commencé à faire des choix excellents, en choisissant de bien traiter les autres, en choisissant d'obéir à Dieu, en essayant d'arranger les choses avec Dieu et les hommes si j'ai mal agi, en choisissant d'essayer d'avoir une bonne conscience devant Dieu, spécialement en choisissant de faire les petites choses que Dieu m'a demandé de faire, les choses que les gens regarderaient comme insignifiantes et inutiles. Pour être honnête, c'est beaucoup de ces petits renards qui ravagent la vigne. Quand j'ai commencé à vivre déterminé à faire les choix de l'excellence, j'ai commencé à vraiment, 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 vraiment aimer ma vie. Je suis heureuse quoi que je fasse. J'ai mentionné ce matin que, pour des années et des années, j'ai travaillé sans en jouir. Maintenant, je jouis de ces réunions et je jouis de ma vie. J'irai chez moi ce soir, je m'étendrai sur le divan pour me reposer, et peut-être que je regarderai un bon film et je vais apprécier cela. Je trouve plus de satisfaction et d'accomplissement dans ce que je fais maintenant que dans n'importe quoi d'autre dans ma vie.
Je vous assure que quand vous pourrez dire « je suis satisfait, j'ai mon contentement », alors vous n'aurez plus besoin d'en demander plus. Avoir notre contentement est une réelle bénédiction. Quelques-unes des caractéristiques des personnes qui sont des personnes d'intégrité. Tout d'abord, ils vont être excellents dans tout ce qu'ils font. Que quelqu'un les regarde ou non, ils vont toujours faire la bonne chose. Ils ne font pas seulement ce qui est juste quand quelqu'un les regarde et peut les applaudir. Mais ils font ce qui est juste spécialement quand personne ne regarde parce qu'ils ont cette révélation que Dieu les regarde. Non seulement ils sont excellents, mais ils choisissent des amis excellents. Je veux vous parler un peu aujourd'hui à propos de vos amis. Proverbe 27:17, ouvrons sur ce passage. Les amis sont très importants. Je crois qu'il faut avoir des amis. Je ne pense pas qu'il faut être isolé en refusant les relations. Les relations peuvent être difficiles. Parfois, nous sentons comme s'il était préférable de ne pas avoir d'amis, car ainsi nous n'avons pas à faire face à tous les problèmes qui vont surgir. Je crois que l'amitié est une question divine, mais nous devons avoir les bons amis et non pas les mauvais amis, car ça peut vous causer des tas de problèmes. Proverbe chapitre 27, verset 17 dit « Le fer s'aiguise par le fer. » Ainsi, l'homme s'affine en face de son prochain. La Bible amplifiée dit « Une réprimande constructive. » En résumé, l'Écriture dit « Vous allez devenir comme et ressembler aux personnes qui vous entourent. » Je veux que mes amis me motivent par leur présence autour de moi à m'élever. Je vais avoir des personnes dans ma vie qui, par leur présence, me poussent à faire les choses mieux. Nous avons un couple qui a été pour nous d'un grand support pour 15 ans. Ils sont tellement polis. Et surtout, ils sont polis l'un envers l'autre. Après 15 ans de mariage, ils disent encore, « Tu pourrais m'emmener un verre d'eau, s'il te plaît. Merci de m'avoir amené cette eau. Merci d'avoir allumé les lumières. » Vous savez, quand ils sont rentrés dans notre vie, en fait, ils ont vécu avec Dave et moi pour près de 14 ans. Ils vont déménager bientôt et auront leur propre maison et se prépareront pour avoir leur famille. Ils ont vécu avec nous, et spécialement quand nos enfants étaient petits, on avait besoin de ça. Ils devaient rester avec nos enfants quand nous étions partis. Ils s'occupaient de tout au bureau quand nous étions partis. Nous avons eu une relation intime avec eux. Au début, quand ils ont emménagé chez nous, ils étaient tellement polis l'un envers l'autre que ça m'énervait. À dire vrai, je pensais, « Ah, oh, allez !» Vous ne pensez pas que c'est un peu exagéré? Mais vous savez quoi? Souvent, il y a des choses qui nous énervent parce qu'elles nous confrontent. J'ai trouvé que plus j'étais en leur compagnie, plus gentil je devenais. Et plus souvent je disais merci et s'il vous plaît. Ce sont des personnes exhortatives. Ils font des compliments aux autres et ils se font des compliments l'un l'autre. Et ça a commencé à déteindre sur moi. Les esprits sont transférables. C'est pourquoi la Bible dit « Faites attention sur qui vous imposez les mains ». Parfois, les gens ne comprennent pas cela. De temps en temps, j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui dit « Dieu m'a mis à cœur d'imposer les mains sur toi et de prier pour toi. » Je ne les laisserai pas faire et les personnes seront offensées. Mais si je ne sais pas qui vous êtes, vous n'allez pas imposer les mains sur moi. Si j'ai une file pour la prière et j'impose les mains, vous devriez me connaître. Sinon, si vous avez peur que je prie pour vous, ne vous avancez même pas. Je ne sais jamais à l'avance qui sera présent à une réunion pareille. Le fer s'aiguise par le fer, alors l'ami de l'homme l'affine. Si vous avez des amis tranchants, ils vous affineront. Trouvez-vous des amis excellents. Passez du temps avec eux et considérez leur vie sera une leçon pour vous et ainsi vous serez dans le défi de vous élever. J'aime être avec des gens qui rien qu'être avec eux m'est bénéfique. Dave et moi avons un désir
majeur dans notre cœur d'être des donateurs. En fait, la Bible parle dans Romains chapitre 12 de personnes qui ont vraiment le don de donner, et je veux être un donateur. Je crois que quelques dons sont donnés, mais d'autres, nous pouvons les développer. Je veux vraiment être capable de faire ce que Dieu a dit à Abraham, d'être une bénédiction là où je vais. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction qui distribue le bien aux autres. Je veux être un distributeur de bien. Je veux que les autres se sentent mieux en ma compagnie. Je veux avoir la bonne parole au temps opportun. Je veux édifier, exhorter et mettre la joie dans leur cœur. Je veux les traiter avec respect et leur montrer de l'amour. Je veux aussi les bénir avec des dons matériels, si c'est ce que Dieu me met à cœur de faire. Qui veut être une bénédiction? Si vous ne voulez pas l'être, alors vous n'allez pas être heureux. Car si vous vous arrêtez à mi-chemin en voulant simplement être béni, et c'est là où j'étais pour une longue période, et je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas accompli, même après avoir reçu des bénédictions. Dieu ne veut pas que vous soyez des réservoirs, mais des canaux. Un réservoir emmagasine les choses, un canal fait passer les choses à travers. À chaque fois que nous emmagasinons, tout devient stagnant. Je veux des amis qui, par leur conduite, me poussent à progresser, et non des amis qui me font glisser en arrière. Certains d'entre vous ont besoin de s'éloigner de certaines personnes qui les entourent. Et je ne suis pas dans l'erreur en disant cela. Dieu avait déjà commencé à vous confronter sur ce sujet. Mais vous ne voulez pas être seul ni blesser leurs sentiments. Certains sont peut-être des parentés. Je ne dis pas qu'une femme doit quitter son mari car il est d'un tempérament difficile, ou un homme doit quitter sa femme, ou que vous devez ignorer vos enfants. Je ne parle pas de ce genre de relation. Parfois, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps avec ce cousin ou cette cousine ou cet oncle ou cette tante, par exemple. Parfois, il doit y avoir séparation. La Bible dit « Sortez d'entre eux et soyez séparés ». Alléluia! Je ne veux pas être dans l'entourage de quelqu'un de négatif tout le temps et de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Je ne veux pas être dans l'entourage d'une personne aigrie qui est toujours là à juger les autres. Je ne veux vraiment pas être dans l'entourage de commères. Je ne veux pas être dans l'entourage de quelqu'un qui me raconte les secrets de tout le monde parce que je sais qu'il va raconter les miens. Ne soyez pas naïfs en pensant que si une personne vous raconte des choses concernant les autres, qu'il ne racontera pas aux autres des choses vous concernant. Ça m'a pris longtemps pour comprendre tout cela. Nous commettons tous des erreurs et nous disons des choses qu'il ne faut pas dire. Mais si je me retrouve dans l'entourage de quelqu'un deux ou trois fois de suite et ils ont quelque chose de négatif à dire à propos de quelqu'un de différent à chaque fois, alors je m'éloigne d'eux. Je m'en fous si ce sont des prédicateurs, je m'en fous si ce sont des enseignants de la parole ou un pilier de l'Église. Je ne suis pas pour le moins impressionné par votre régularité à aller à l'Église. Je veux voir votre fruit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nous nous entourons de donateurs parce que nous voulons grandir dans ce domaine. Nous avons... Il y a trois couples qui me viennent immédiatement à l'esprit que Dieu a placés dans nos vies seulement il y a quelques années de cela et qui sont des donateurs radicaux. Et j'ai appris en leur compagnie. J'ai appris quelques façons de bénir les gens et des choses auxquelles je devrais faire attention rien qu'en regardant certaines choses qu'ils font. Par exemple, dans l'un de ces couples, l'homme essaye de faire quelque chose ou de donner quelque chose chaque jour à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ferait des choses comme aller chez un fleuriste et acheter un bouquet de fleurs et puis se tenir dehors pour voir à qui Dieu l'inciterait à le donner. Et puis il le donnera simplement à quelqu'un qui a l'air malheureux en disant « Dieu m'a dit de te le donner ». Et puis, il le donnera avec une petite carte où est inscrite une écriture. Nous avons fait des choses comme payer la facture de personnes dans des restaurants quand ils ne savent pas qui a fait cela. Mais j'aime apprendre de nouvelles façons de donner. Amen. L'autre jour, nous sommes sortis déjeuner dehors et ils nous ont amené une facture qui n'était pas juste. C'était trop peu. Nous étions quatre personnes. Une des personnes avec nous a dit, « C'est un test. » C'était après une de nos réunions ici.
Nous allons devoir nous conduire avec intégrité et demander de nous doubler la facture. S'il vous plaît, prenez plus d'argent. La dame est revenue et elle a dit « Non, non, quelqu'un a déjà payé votre part de la facture. » C'est merveilleux d'être des donateurs anonymes. Je vais être dans l'entourage de personnes comme ça, qui cherchent des façons d'être une bénédiction. La Bible dit dans Galates 6, 10, « Efforcez-vous d'être une bénédiction, surtout pour vos frères dans la foi. » Les chrétiens ont besoin d'être encouragés, car Satan les poursuit tout le temps. Vos prédicateurs ont besoin d'être encouragés, vos pasteurs, les personnes qui vous servent tout le temps. Une des façons par lesquelles vous pouvez les encourager, c'est en rendant leur vie un peu plus facile. Amen. Dieu vous montrera comment être une bénédiction si c'est ce que vous voulez être. Malheureusement, pas tout le monde veut l'être. Si vous restez avec des avares, vous allez devenir avare. Vous connaissez le principe, Élisée. Est resté très près d'Élie. Et non seulement il est devenu comme lui, mais il a eu une double portion de son onction. Vous devez non seulement devenir comme les personnes avec qui vous êtes, mais vous pouvez continuer jusqu'à les dépasser. Si nous avons des amis égoïstes et avares, ceci ne nous aidera pas à grandir dans la générosité et l'amour. Daniel, comme nous l'avons vu hier, était vraiment un homme d'excellence. Il avait un esprit excellent. Il a été promu partout où il allait. Il avait aussi d'excellents amis. Shadrach, Meshach et Abednego étaient les trois autres qui ont été jetés dans la fournaise de feu ardent. Vous connaissez tous cette histoire, je crois. Ils ont reçu l'ordre de se prosterner. Les personnes excellentes ne se prosternent pas face aux demandes des personnes impies. Ils ont reçu l'ordre d'adorer la statue d'or et s'ils ne le faisaient pas, ils allaient être jetés dans la fournaise de feu ardent. Ils ont dit ceci au roi, « Si notre Dieu est capable de nous délivrer, il le fera. » Il ne voulait pas dire « capable » signifiant « s'il peut », il voulait dire « si c'est dans son plan ». Mais si ce ne l'est pas, sache ceci au roi, nous ne nous prosternerons pas. Ils ont été jetés dans la fournaise, et non seulement ils y ont été jetés, mains et pieds liés avec tous leurs vêtements, mais ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Vous savez, parfois quand vous faites le premier pas dans le chemin de l'excellence et de l'intégrité, le diable va chauffer la fournaise. Pourquoi il fait cela? Pour vous empêcher de continuer. Pour vous pousser à reculer. Ne pensez pas que si vous choisissez de faire quelque chose de juste, le diable va vous dérouler le tapis rouge et vous dire « Ah, ça va bien aller !» Non, semaille, temps, moisson. Vous semez vos graines, vous passez du temps. Le temps vous éprouvera. Il éprouvera votre caractère et votre engagement. Vous avez dit cela émotionnellement ou vous entendez ce que vous avez dit? Si vous ne l'entendiez pas, vous n'allez pas persévérer quand ce sera difficile. Il y a une différence entre une décision ordinaire et une décision de qualité. Une personne qui prend des décisions de qualité garde son régime quand elle a faim. Dois-je en dire plus? Gloire à Dieu. Pause. Posez et pensez calmement à cela. C'est ce qu'il est dit partout dans les psaumes. Pause. La Bible amplifiée dit que cela veut dire arrêter et penser calmement à cela. Parfois, nous devons le faire. Vous savez, quand quelque chose est dit qui est réellement fort, arrêtez-vous pour une minute et pensez à cela. Nous devons faire les bons choix concernant notre vie. Nous devons faire les choses comme Dieu aimerait qu'on les fasse. Nous devons choisir les bons amis. Nous devons choisir les amis qui nous édifieront et non les amis qui nous tireront en arrière. Alléluia! La fournaise a été chauffée 7 fois plus que d'ordinaire. Elle était tellement chaude que la flamme a brûlé à mort les hommes qui les ont jetés dedans. Ils ont fermé la porte de la fournaise. Le roi regardait et tout d'un coup, il a sauté sur ses pieds et a dit « Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe ici? N'avons-nous pas jeté 3 hommes tout liés dans le feu? Je vois 4 hommes en liberté !»
Vous pouvez entrer lié, mais je vous le dis, juste en plein milieu, Dieu va vous libérer. Je vois quatre hommes en liberté et l'un d'eux a l'aspect d'un fils des dieux. Si vous êtes prêt à passer par et à payer le prix pour maintenir votre excellence et votre intégrité, si vous êtes prêt à aller contre le courant et faire les choses justes quand personne de ceux que vous connaissez ne fait les choses justes, quand personne ne vous applaudit et tout le monde parle de vous et ils vous disent que vous êtes un fanatique, mais vous êtes prêt à faire les choses justes, alors je vous le dis, vous trouverez un quatrième homme dans votre fournaise de feu. Et vous serez libre juste au milieu de cette fournaise. Vous ne serez pas lié. Vous serez libre. Le roi s'approcha de l'ouverture et dit, « Sortez, vous trois !» Et ils sortirent et la Bible dit, « Nulle odeur de feu et de fumée ne s'attachait à eux. » Oh, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'après qu'ils soient sortis, on ne pouvait même pas prouver qu'ils y avaient été. Parfois, on passe par des choses et on pense, « Je ne serai plus jamais le même. » Non, vous serez meilleur. C'est vrai que vous ne serez plus le même, vous serez meilleur. Ce que Satan destine pour le mal, Dieu le transformera pour le bien. Et non seulement cela, le roi a ordonné que maintenant tout le monde serve leur Dieu. J'ai commencé à parler de cela, mais je crois que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire. Quelle histoire merveilleuse! Parce qu'ils ne se sont pas prosternés, d'autres personnes ont reçu le Seigneur. Parfois, des personnes vous poussent à faire quelque chose de mal, mais il y a une partie en eux qui espère désespérément que vous ne le ferez pas, parce qu'ils cherchent quelque chose de réel. Et bien qu'ils soient en train d'être utilisés par l'ennemi pour vous tenter, ils espèrent que vous ne mordrez pas à l'hameçon parce qu'ils cherchent quelqu'un qui sera un modèle pour eux. Les gens ont besoin d'héros. On parlait dans cet enseignement des caractéristiques de l'intégrité. Je veux vous encourager et vous dire que je crois vraiment que nous avons à décider d'être des personnes d'intégrité. Je crois vraiment que c'est une décision à prendre car on n'a pas toujours envie de faire ce qui est juste. Et je crois que la Bible prouve clairement que ceux qui choisissent l'excellence et l'intégrité expérimenteront plus de bénédictions que ceux qui ne font pas ce choix. Ils jouiront de la protection de Dieu et je crois qu'ils peuvent s'attendre à une plus grande sagesse et de merveilleuses choses. Je crois que le Saint-Esprit me guide aujourd'hui à vous dire quelque chose que vous savez peut-être ou que vous aviez entendu, mais je sens que vous avez besoin d'en être rappelé. Dieu est pour vous et non pas contre vous. Et si Dieu est pour vous, quel ennemi pourra réellement faire quelque chose contre vous? Je crois qu'on compte souvent les personnes qui sont contre nous et on oublie que le Seigneur est pour nous. Que ces paroles soient bien enracinées en vous et proclamées à haute voix. Dieu est pour moi, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que le Seigneur vous bénisse, et n'oubliez surtout pas qu'il y a la vie dans la parole. Je vous reverrai très bientôt. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.